Amogus. Peut-être parmi nous. Mais c'est vrai, parce que je joue tout d'un coup, pouf, le jeu explose, mon bonhomme irait sur place. Je suis comme, hey, what the fuck? Puis là, ils m'ont pogné le cul. C'est celui qui a un million de points de regard à côté de toi, et le noir avec des lunettes rouges. Ok. Il a cul, lui. Ouais, le noir avec des lunettes rouges, je le tue. Le Nicole fou... après le cul. Sans monter des points d'interrogation. Tu dois mourir. Tomber en bas de la ville. Non, arrêtez de me viser juste moi. On capte sur moi. On dira Overwatch. Il doit mourir. Tomber en bas. En bas de la ville. J'aime sa couleur, lui. Tu vois. L'autre me tue moins, mais la menace, c'est le bonhomme noir et rouge. C'est pas eux autres. Le chinois me poigne le cul. Le bonhomme vert est mort. Sushi, je joue le ballon. J'avais une orte. Un demi-pied sur la plaquette. Ouais, le gars qui est là-bas. Ah, oh mon dieu. Ah! Hey, je t'ai dit, j'ai plus d'FPS. En plus du jeu qui bug en même temps. Oh, c'est parce qu'il a quitté. Le buggy. T'as raison. Ben, il est mort en fait. Là. Et le rouge et le noir, il est mort. Donc... Ils sont tombés en équipe. Et ouais, il reste les deux qui sont comme orange. Oh shit. Tabarnak! Pourquoi mon bonhomme il revole par là? Il est devant moi, ça. Je devrais revoler par l'autre bord? Le sens de la gravité fait pas de sens dans Fall Guy. Ben oui, deux tabarnak dans un. Il est l'autre qui faisait bugger le jeu. Ça aussi, il manipule le jeu à son goût. Et puis j'ai vu ça quand on regarde des JPEG là, sur Twitch, là, il dit que ça existe du monde qui font bugger le serveur pour mieux gagner sa game. Là. C'est évident qu'il y a des Mongols qui font ça. Ouais. Et puis il faisait de l'analyse ici avec lui, il regardait le replay de sa game puis il mettait en fucking slow motion. Il dit c'est qui le tricheur qui fait bugger le jeu là? Juste pour y faire bannir, parce que ça existe. Tu ferais ça dans Fall Guys. Pour le faire. Overwatch, peu importe les joueurs en ligne. Si le Canada gagne une autre game, ils vont reprendre 3 points. Fait que leur moins 3 va passer à 0. Puis ils vont être égal à. L'autre équipe c'était Colombie puis Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est bien possible d'être haut placé vu qu'on a tellement perdu de points? Ben c'est... L'affaire c'est qu'ils ont gagné contre la Nouvelle-Zélande. Fait que ça leur a fait 3 points. Mais en leur enlevant 6 points... non pas ça, c'est d'abord... Puis ou sinon il y avait un égal ou 0. Là ça fait moins 6. Là, c'est la France dans le groupe là, où qui joue. C'est 0-0 pour Nouvelle-Zélande et Colombie. Puis France ont 3 points, je pense. Ils ont sûrement gagné contre la Nouvelle-Zélande. Je sais pas, en tout cas. Tabarnak, je fais. Comment je fais pas? C'est quoi ça? Arrêtez de modifier le jeu, c'est épouvantable! Les trucs de voulou sont hyper faibles. J'ai dû réessayer deux fois parce que ça me garrochait dans le mur. On est faible, les mardes. On peut pas rentrer. La pilule fait pas aspirer. Là, tu dis, aspirateur BS. L'aspirateur est à 1, il aspire pas beaucoup puis il repousse pas beaucoup.
Qualifiez-vous pas. Mettez votre face aimer, merci. Je m'attendais pas que le jeu change de même. Moi aussi, où j'étais pogné au début, en me slamant facilement. Hey, y'a un ananas. Il pogne le cul du monde quand tu arrives proche du poteau. Hey! Sacrement, il fait chier lui! Chapeau! Oui, là. Oh, ouais, il revient là-bas. Il est mort? Hein? Oh mon dieu, il y a une coupe de monde qui a revolé. Il y en a un qui n'aurait pas spammé des tonnes, vu qu'il doit niaiser après la manette faire ça, ben il s'est fait. Puis je pognais la saucisse. J'ai pogné le loup. L'ananas. L'ananas, je te l'ai dit. Il se met auquel bâton, là, puis il pogne le cul du monde. Le chapeau. Je pense qu'il est mort, ça y a retourné dessus. Un chapeau. Loup. Loup. Louis. Louis Garneau. Louis Garneau, ouais, ça j'ai pensé le peu. Louis Joseph. Bon. Oh, hey, Papineau, il a envolé. Eh. Bon, je termine. En plie un sur l'autre. Non, il fait mal. Wow! Checkpoint les mongols dans ma peau. Loup-garou. Wow! Basketball. Espérons que ce soit Moog. Un petit nom qui fait du basket. Je suis un whale. Je pogne le ballon. Oh, je me cul. T'es dans mon équipe. Y'a un esti de cornet à mort qui pogne le cul. Je fais deux. Ok. Anana, c'est un tricheur. Il est encore au bord. Je sais, toujours l'équipe inverse. Non! Ben tant mieux, parce que si on élimine, il va être une fois chier. Ouais, c'est ça, mais... Le corne! Il fait chier! Le cornet pis l'ananas doivent être ensemble, je suis sûr. Les deux font trop chier. Je m'en vais faire un but, j'ai un ballon... dans mes mains... À date, j'ai fait 4 buts. Bien sûr, parce que les autres sont vraiment incompétents. Il fait ça! Mon pourquoi tu pognes mon cul? T'es dans mon équipe et tu pognes mon cul! Ok, je veux un jaune marqué dans le jaune, c'est bon. T'es dans mon équipe et tu pognes mon cul! Pourquoi tu garoches le ballon? Pourquoi tu. En capochon? Mon cul. Il est pas proche du but, il garoche le pas, tu sais, proche pour le lâcher. On gagne, on gagne, on gagne! Non! Tabarnak, mais on est arrêtez! Égalité. Non, ils ont fait un but à la fin. Le mongol. Tardez, calice de mongol. Ils devraient équilibrer les cerveaux. Pas toutes les mongols la même équipe.